On a vu un mosh pit sur la toune des Zigotos, puis on a fait « Ouais, je pense qu'il y a de quoi avec ça. » Simon et Xavier font partie du groupe de musique humoristique Les Costauds. Leur spécialité, les reprises de chansons de génériques et de publicités. Si tu l'appelles au secours, sans jamais perdre un instant, les intrépides à court, on est toujours présents. On a un cover band spécialisé en génériques et en jingles publicitaires qui vont des années 80 aux années 2000. Donc, autant des génériques québécois que des génériques qui viennent d'ailleurs, autant dans le jeunesse que dans les émissions plus généralistes. Puis on est 5 personnes qui ont envie de faire le party, puis de faire rire le monde, puis de niaiser sur une scène avec de la bonne musique rock. De Salut Bonjour à Char de Poule, l'objectif, c'est de raviver la nostalgie chez les spectateurs. On veut vraiment faire un spectacle que le monde sorte de là en faisant « Hey, c'est quoi que je viens de vivre là? Mais c'était le fun! » Puis des fois, le monde se rend compte « Mon Dieu, je suis en train de triper en entendant le thème de Ouattatata ou le thème de la guerre des tucs, des trucs de même. » Mais c'est le fun parce que c'est des chansons que tout le monde connaît, que tout le monde a entendu, mais que tu peux pas entendre sur scène. Quoi la réaction des gens quand ils vont vous voir en spectacle? Généralement de la surprise, puis on le remarque dans le visage des gens, surtout en avant, là, ils vont prendre un 2-3 secondes, là, se poser la question « c'est quoi ça que j'ai entendu? » Puis quand ils reconnaissent la chanson, on le sent. Là. Les Costauds seront en spectacle à la Nine Cassis ce samedi. Ils sont également bien présents sur les réseaux sociaux. Les bandits sont là, les spectateurs gadgets, ils n'échapperont pas. Pascal Robitaille, TVA Nouvelles, à Québec. Les